Être entrepreneur, c'est quand même génial, ça offre beaucoup de liberté. Tiens, je vais te raconter une histoire qui s'est passée il y a quelques jours. J'ai beaucoup travaillé récemment sur des projets professionnels, tu verras ça sûrement en 2024, mais aussi sur le projet américain et aussi sur le perso. J'ai plein d'histoires avec le visa, ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et je me suis dit, c'est quoi, j'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de changer d'air. Donc je suis descendu à Miami, à 3 heures de chez moi, et j'ai pris quelques jours. Et en baladant dans la ville, alors Miami c'est une ville que j'aime pas du tout, c'est-à-dire que j'aime bien y aller 2-3 jours pour m'amuser, c'est sympa, on fait la fête, il y a des bons restos, c'est super. Par contre, y vivre, c'est un enfer. Je suis dans un endroit de la ville qui est assez calme, c'est Brickell pour ceux qui connaissent. Alors le centre, c'est le bordel, mais là où j'étais, c'était assez calme. Et je me suis dit, pourquoi je pousserais pas quelques jours de plus? Je devais rester 3 jours. Pourquoi je pousserais pas quelques jours de plus et je vais travailler? Donc là, comme tu vois, sûrement derrière moi, je suis chez WeWork. Qui est l'espace de coworking le plus connu au monde, pour tout simplement bosser. Et je me suis dit, je vais pas travailler comme d'habitude où quand je suis devant mon PC, je fais la même chose, etc. Là, je vais faire des choses de différentes. C'est-à-dire que je vais bosser plus sur la structure de mes entreprises et la structure et la vision que je veux. Ce qui est bien, c'est que j'ai donc la télé derrière. Là, j'ai la vue, on ne voit peut-être pas avec le reflet, mais sur Miami. Et là, j'ai tout simplement un tableau blanc. Et un tableau blanc, c'est un truc que j'ai l'impression que ça me manque de plus en plus de ne pas l'avoir au bureau, parce que c'est sympa de pouvoir noter. C'est bien d'avoir des outils comme des Whimsical, des Miro, etc. sur l'ordinateur, mais c'est encore mieux d'avoir un outil où on peut faire des plans. Alors là, j'hésite trop à l'utiliser parce que c'est quand même, comme on voit, c'est vitré, n'importe qui peut checker. Après, ça va, je peux écrire en français, mais c'est vrai que c'est quand même assez délicat. Donc, on va faire attention à pas être des trucs trop sensibles. Donc, c'est quand même assez intéressant parce que je veux vraiment pousser ça à l'avenir, c'est de prendre de plus en plus de temps pour tout simplement structurer mes entreprises. À l'époque, je le faisais une fois par mois. Je pense qu'aujourd'hui, je dois le faire au moins une fois par semaine. C'est-à-dire que, en tant qu'entrepreneur, en tant que job entrepreneur, et si je veux évoluer en tant qu'un vrai entrepreneur, et j'ai des business et en gros, je suis opérationnel sur ces business. Mais si je veux évoluer en tant qu'entrepreneur sur ces business, je dois tout simplement produire de la vision. Et pour ça, il me faut du temps. Et donc, je pense qu'à partir de l'année prochaine, donc à partir de 2024, on est déjà en décembre, donc dans quelques semaines avec les vacances, etc., enfin, les fêtes de Noël, etc., ce qu'on va faire, c'est que je vais me poser et une fois par semaine, en fait, je vais tout simplement bosser sur ma stratégie. Alors, soit je vais faire une fois par semaine, ce que je pense, soit peut-être que je peux faire deux fois une demi-journée. Ce que je pense pas, parce que ça va me casser dans l'énergie et surtout dans la réflexion, la vision. Et là, ce qui est bien, c'est que le fait d'être à Miami, pas dans mon bureau, pas dans mon univers, me permet tout simplement d'avoir d'autres visions, d'autres idées. Je sais pas si ça le fait, mais moi, à chaque fois que j'ai besoin de me changer les idées, je vais dans une ville, là c'est à 3 heures de chez moi, donc si jamais vous habitez à Paris, vous allez à Lyon par exemple, et juste le fait d'être ailleurs, votre cerveau va être beaucoup plus créatif et vous allez avoir de meilleures idées. C'est toujours intéressant, et puis en plus là, dans le WeWork, j'ai déjà rencontré pas mal de personnes, donc on échange, et même si les gens ne me connaissent pas, on peut directement voir ce que chacun peut apporter à chacun. Donc c'est un peu du networking, et ça c'est intéressant. C'est pas quelque chose que je ferai tout le temps, moi vous savez, j'aime bien bosser chez moi tranquille, mais de temps en temps c'est sympa. Sympa de sortir de son confort, sympa de sortir de ce qu'on connaît, et surtout d'apporter autre chose. Bon, après WeWork, je suis tout simplement rentré à la suite. Donc là tu vois, je suis sur le balcon, sympa, on est au milieu donc de Brickell. C'est assez sympa, un peu bruyant, j'espère que tu m'entends bien, et j'en profite tout simplement pour me poser, et là je vais aller lire un peu. J'aime bien faire ça en ce moment, c'est-à-dire que je fais une grosse journée de travail et pour me détendre, je lis un peu. Ça me permet d'avoir des nouvelles idées. Et en général, ce que je fais pour m'organiser, c'est tout simplement c'est que je vais noter les idées et ensuite je vais voir si c'est applicable pour moi dans mon business très rapidement. J'ai plusieurs niveaux, j'ai très rapidement, c'est-à-dire dès le lendemain, je peux appliquer par exemple une nouvelle habitude, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle organisation. Alors ça demande un peu de temps évidemment au démarrage. Mais après, ça permet tout simplement d'avoir de la rapidité d'exécution. Le deuxième, c'est à moyen long terme. C'est entre 3 et 6 mois en général. Est-ce que c'est quelque chose que je peux implémenter qui va me permettre de changer mon business? Et derrière, c'est à long terme tout simplement. Donc, c'est l'année prochaine, etc., etc. Là, j'ai déjà des projets prévus pour 2025, pour 2026, alors qu'on n'est que fin 2023. Et ça me permet en fait d'avoir une vision et d'avoir un peu un fil rouge à suivre. Alors évidemment, le fil rouge, tu ne le suivras jamais. À la lettre, il y a toujours des événements qui ne sont pas prévus, qui font que tu dois t'adapter. Mais en faisant ça, ça me permet tout simplement de pouvoir profiter, eh bien, tout simplement de ce que j'apprends et de le mettre au quotidien. Et donc, en général, comment je fonctionne, c'est le matin, je travaille un peu, ensuite sport. Ça me permet, au lieu de perdre de l'énergie après manger, par exemple, de récupérer de l'énergie. Derrière, je continue de travailler, lecture, et puis après, je profite. Donc là, par exemple, à Miami, c'est un peu spécifique parce que je suis tout simplement pas chez moi, donc ce que je fais, c'est que par exemple hier, j'ai travaillé au WeWork, après je suis rentré, j'ai lu un peu,
J'ai tout noté sur mon Notion. Moi, j'utilise Notion pour tout noter. Et derrière, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai tout simplement été me balader. Donc, au centre commercial, j'ai été manger dans un resto italien. Après, on est allé dans un bar avec des amis pour tout simplement profiter parce qu'il y a un match de basket. Et voilà, tout simplement, vie simple, on kiffe et c'est important. Chaque jour peut être différent, quoi. C'est moi qui fais les règles et ça, j'adore. Donc, là, c'est le dernier jour aujourd'hui à Miami. Je vais remonter un peu sur Orlando. Donc, je te montrerai au fur et à mesure de la journée. Je vais tout simplement, donc ce matin, j'ai travaillé. Comme je sais que je ne serai pas chez moi le soir, j'en ai profité pour lire un peu. Comme ça me permet pendant la voiture, parce que j'ai quand même 3 heures de route, pendant la voiture, ça va me permettre de réfléchir et de voir comment je peux synthétiser tout ça et le mettre en place. Et je vais monter donc à Boca Raton. Je te ferai une petite vidéo de là où je vais tout simplement profiter pour regarder du contenu. Quand je vais aller charger la voiture, je suis avec la Tesla, ou quand je vais tout simplement me poser un peu au bord de la plage, si j'y vais. Et je vais pouvoir tout simplement profiter d'avoir ce genre de choses. C'est des moments à moi qui me permettent de me recentrer et de mieux visualiser mon business. Comme je t'ai expliqué hier, le but de tout ça, c'est d'avoir une meilleure vision de son business pour avoir une meilleure exécution derrière. Beaucoup de personnes ne font pas ça, je ne le faisais pas avant. Et en fait, en faisant ça va me permettre tout simplement, eh bien, de progresser et de permettre d'avoir la base pour avoir évidemment de vrais résultats. Donc, je te tiens au courant, on se retrouve à Boca Raton. Bon, on est en train de charger la voiture, tout simplement. On est à Boca Raton, comme je te disais. Et j'en profite. Ce que je fais, c'est que je fais un long rechargement. Normalement, en 15 minutes, c'est bon, j'ai assez pour rentrer à la maison. Mais là, je fais vraiment une longue recharge, comme ça, même à la maison, il n'y aura rien besoin de charger. Et du coup, j'en profite pour regarder une vidéo de notre ami Gary. Comme tu le sais, moi, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'est quelqu'un que je regarde énormément. Et donc, en fait, avoir ce genre de contenu que je suis, en fait, moi, c'est vraiment un mec avec qui j'ai tout appris. C'est lui qui m'a poussé à faire beaucoup plus de contenu et j'ai eu la chance d'ailleurs de le rencontrer l'année dernière à Miami et quand on en a parlé, je lui ai dit faire du contenu ça marche quoi, c'est pas du bullshit, ça marche et il m'a donné des petits conseils justement pour développer parce que pour moi c'est vraiment compliqué de faire de 0 à 1000 dans tout, dans 0 à 1000 followers c'est compliqué, 0 à 1000 euros c'est compliqué, 1000, 10 000 ça reste compliqué, 1000, 10 000, 100 000. Ça devient un peu plus facile parce que tu commences à avoir les trucs. Et 100 000 à 1 million, c'est quand même plus facile que 0 à 1 000. Certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi parce que, évidemment, le gap est énorme. C'est 1 x 10. Mais je veux dire, 0 à 1 000, c'est 1 x 0. Enfin, 5 fois, ça n'existe pas, quoi. Le calcul n'est pas bon. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne travaille plus avec des entreprises. Quand je fais du coaching, par exemple, ou quand j'accompagne des business, j'accompagne plus des business qui viennent de se former. J'accompagne que des business qui ont déjà généré du chiffre d'affaires parce que bah, c'est plus facile, mais surtout, on passe plus de temps à faire de la stratégie que de la mise en place. Quand tu as quelqu'un qui n'a jamais rien mis en place, en général, il n'y a pas ou peu d'expérience, et derrière, il faut faire toute la mise en place, c'est super compliqué, c'est long, si la personne ne capte pas ce que tu dis, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant, je fais vraiment petit à petit. Et je vais te parler d'un truc que j'ai eu justement à midi, avec Julien Débat, avec ma copine. Et enfin, on est tous les deux d'accord, c'était plus une discussion. Et en fait, je lui expliquais que moi, ce que je vois beaucoup dans le business en ligne, en général, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est que beaucoup de personnes font cette erreur, ce qu'on appelle l'objet brillant. L'objet brillant, ça veut rien dire, c'est un peu de la merde. Le truc, c'est que en fait, les gens ne vont pas au bout. En gros, moi, je vois les business en général, comme un sport. Moi, j'aime le sport, j'aime le business, hein. J'aime tous les business, j'aime l'agence, j'aime l'e-commerce, j'aime la vente de formation, j'aime le coaching, blablabla. En fait, beaucoup de personnes, elles essayent de jouer un jeu nouveau tous les jours. Et forcément, tu ne peux pas réussir. Forcément, tu ne peux pas être bon. Et en fait, pour ceux qui ont fait du sport, ça vous parlera. Moi, je fais beaucoup de basket plus jeune. Le business, c'est vraiment comme des ligues, des compétitions, quoi. Donc, par exemple, on a la Nationale 1. Donc, tu fais de la vente de formation Nationale 1, tu atteins un certain niveau. Bon, bah, dès que tu es meilleur, tu vas en Pro B. Et dès que tu es encore meilleur, tu vas en Pro A. Dès que tu es encore meilleur, tu vas en Euroleague. Dès que tu es encore meilleur, tu vas en NBA. C'est pas si linéaire que ça, évidemment. Mais je veux dire, certaines personnes démarrent dans un business. Elles découvrent un business. Par exemple, elles découvrent, ah, oh, tiens, on peut vendre faire de l'argent en vendant sa connaissance. Trop bien. Et d'ailleurs, je vous le dis, c'est génial. Elles disent, ok, bah, je veux faire 100 000 euros par mois. Attends, déjà fait 500, déjà fait 1000, déjà fait 2000, 3000, 4000. Crée du contenu, crée quelque chose, apporte une vraie offre, une vraie valeur. Et ça prend du temps. Sauf si tu as déjà de l'expérience dans d'autres domaines, en général, ça peut aller vite. Mais si tu n'as jamais fait ça, ne t'attends pas à devenir une superstar dès le lendemain. Et quand je dis superstar, c'est pas être un influenceur connu, etc., etc. D'ailleurs, je déteste ce mot influenceur. C'est horrible. C'est quelqu'un qui influence les gens. Je trouve ça horrible. Même si on influence plus ou moins des gens dans notre vie. D'accord. L'idée, c'est de se dire quel est l'objectif atteignable et logiquement atteignable et objectivement atteignable que je peux faire. Ça peut être 50 000 euros par mois, c'est pas déconnant, c'est beaucoup, mais c'est pas déconnant, si t'as déjà de l'expérience. Par contre, si tu démarres, t'as jamais fait un business, sois humble. Beaucoup de personnes ne sont pas humbles. Et encore une fois, pourquoi est-ce que tu veux être
un expert alors que tu n'as jamais fait la moindre chose. Est-ce que tu crois que Stephen Curry, la première fois qu'il a tiré à 3 points, il l'a mis dedans? Bon, peut-être qu'on appelle la chance du débutant, mais tu crois qu'après, il s'est pas entraîné pendant des heures et des heures? Et c'est ce que je disais justement avec ma copine qui est en train d'apprendre le français, pour quelqu'un que vous connaissez très bien. Et elle me fait, ah, mais je suis stupide. Et vraiment, je dis pas ça parce que c'est ma copine, mais c'est une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Elle est brillante. Mais elle est beaucoup plus intelligente que moi, mais de très très loin. Je dis, mais non, t'es pas bête. C'est pas ça. C'est juste que ça fait 3 mois que tu as commencé à apprendre le français. C'est normal, sachant que tu n'as jamais appris, c'est normal que tu galères. Heureusement que tu galères pour ton train, à quel point c'est compliqué. Mais tu sais très bien que la chose qui te fera aller plus vite, c'est la répétition. Et beaucoup de personnes, malheureusement, espèrent, et c'est normal, on veut tout tout de suite. Aujourd'hui, on est dans une société où on a tout tout de suite. T'as faim, tu veux pas te faire à manger, t'appuies sur un bouton, t'es livré. Tu veux voyager à l'autre bout du monde, t'appuies sur un bouton, t'as tes billets. Forcément, on a tout tout de suite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a encore des choses, notamment le sport. Et tu veux perdre du poids, bah, faut aller à la salle. Tu veux être bon dans une langue, bah, faut pratiquer. Tu veux être bon dans le business, faut pratiquer. Et en fait, c'est la répétition qui fera que tu atteindras un niveau suffisamment correct pour derrière être tellement fort que c'est naturel. Pour ceux, les anciens qui me suivaient sur Telegram en 2019-2020, je m'étais fixé un challenge, c'était pendant 500 jours d'affilée, je vais faire du Duolingo. Alors, Duolingo, c'est de la merde ou pas, on s'en fout, c'est pas le débat. À l'époque, j'ai dit que j'allais le faire, je l'ai fait. Je vous ai montré, j'ai la capture d'écran, je l'ai fait. 500 jours, j'ai appris du Duolingo en espagnol. Aujourd'hui, je peux tenir une conversation parfaitement en espagnol. Je parle très bien espagnol. Ça a pris 500 jours de parler, faire des erreurs, me tromper, etc. C'est normal. 500 jours, c'est énorme. Pour être un expert dans un domaine, il faut 10 000 heures. 10 000 heures, c'est 5 ans. Ça peut être un peu plus rapide en fonction de combien de temps on y passe. Hein. 10 000 heures, c'est 10 000 heures. Mais 10 000 heures, c'est énorme. C'est pas en regardant une formation que tu vas être un expert. C'est pas en regardant une vidéo YouTube que tu vas être un expert. C'est pas en lançant ton programme, par exemple, ou ton premier produit, et que ça ne vend pas, que tu es un expert. Prends ton temps, sois humble dans tes objectifs, sois humble dans tes ambitions, et petit à petit, construis quelque chose. Et là, par exemple, la Tesla dans laquelle je suis, c'est pas la mienne, hein. C'est celle de ma copine. Moi, j'ai une vieille Nissan Kicks qui ressemble à une Renault Capture. Pourquoi j'ai pas une Tesla? Je pourrais m'en prendre une, mais on en a déjà une. Dans notre relation, ça suffit pour le peu qu'on s'en sert. On travaille tous les deux de la maison. Elle l'a eu parce qu'elle a eu des déductions d'impôts, etc. etc. Elle a utilisé le levier pour le financer et elle a fait de la location courte durée avec la voiture. Enfin bref, elle a fait un système qui fait qu'elle gagne de l'argent tous les mois avec sa voiture. Mais voilà, moi aujourd'hui, j'ai pas le besoin d'en avoir. Et prochainement, peut-être que j'en prendrai une, on verra. Mais encore une fois, c'est ne tombez pas dans cette erreur de quelqu'un me montre qu'il a quelque chose, donc ça veut dire qu'il est fort. C'est ridicule. Écoutez ce que les gens ont à dire. Je peux vous assurer que le marché français, il ne sait même pas de quoi il parle. La plupart des gens ne savent pas de quoi ils parlent quand ils parlent de business. Et écoutez des gens, et j'espère et j'estime être des personnes qui justement sont honnêtes et humbles par rapport à ce qu'elles disent. C'est-à-dire que si je te parle d'un truc, c'est que je l'ai mis en place, c'est que je l'ai fait. Et encore une fois, je te fais la voiture, enfin je te fais la vidéo dans la Tesla. Parce que je suis en train de charger la voiture, mais enfin, tu me suis, moi j'ai un petit bureau qui est sympa, c'est une chambre que j'ai transformée en bureau, j'ai pas besoin d'un truc avec des vues sur Dubaï ou une vue à Miami ou des trucs comme ça. Là par exemple j'étais à Miami, ok cool, très bien, mais c'est pas une ville dans laquelle je veux habiter, ça m'intéresse pas. Moi je suis quelqu'un de très très naturel et je vais pas me travestir dans une vidéo. Et moi en vrai, tu viens en privé, sur Instagram, sur Telegram, peu importe, tu viens en privé, tu m'envoies un message, tu me poses n'importe quelle question dans mon domaine d'activité. Tu verras que si je te réponds, c'est parce que je sais de quoi je parle. Si je peux pas te répondre, je te dis, je suis désolé, là, c'est pas dans mes compétences. Donc pense à ça. Mais pense surtout, vraiment, c'est le message de cette vidéo, c'est la répétition. La répétition, la répétition, la répétition, ça fait la clé entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui se loupe. Donc si tu veux avoir des vrais résultats, c'est pas en te plaignant parce que la formation n'a pas été bonne d'un mec. C'est pas en te plaignant parce que, ah oui, mais mon concurrent m'a copié. Non, non, c'est en répétant, c'est en innovant et c'est en te posant les bonnes questions. Qu'est-ce que mon client veut? Quand tu comprendras ça, tu comprendras tout. J'espère que cette vidéo un peu vlog t'a plu. J'essaierai d'en refaire d'autres. C'est pas naturel pour moi, mais c'est toujours sympa de pouvoir faire des petits contenus quand j'ai le temps, quand je peux. Et voilà, ça me rappelle à l'époque, pour ceux qui se souviennent, à l'époque, je faisais des vidéos quand je partais justement en voyage à Miami, etc. Je faisais des vlogs. Alors pas très vlog, hein, moi je suis pas un vlogueur, mais c'était sympa, je partageais justement ce que je voyais et ce que je pouvais échanger, et c'est toujours sympa. Donc voilà, je teste des formats en ce moment, j'ai beaucoup à partager. Si c'est pas le cas, abonne-toi à la chaîne,
like la vidéo et surtout regarde mes podcasts. Je fais des podcasts assez fréquemment et je vais plus en profondeur dans les sujets. Et j'aime bien le podcast, c'est plus intimiste. Évidemment, ça ne sera pas au détriment de ces vidéos. J'adore faire de la vidéo, mais c'est toujours bien d'avoir un bonus en plus. Donc voilà, n'hésite pas. Et puis si tu as besoin de quoi que ce soit, tu nous envoies un email, tu nous envoies un message. Et voilà, le but c'est t'aider à développer ton business. On a accompli pas mal de choses pour moi ou pour des clients avec l'équipe. Donc on sait faire. Et on va encore progresser, développer. Et c'est le but de tout ça. Donc voilà, la batterie est chargée. Je te laisse. À dans une prochaine vidéo. À bientôt.